Salut la famille, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Nous sommes le 4 janvier 2023. Donc c'est une vidéo un peu particulière puisque nous allons faire un retrait de 80$ dans Strix. Mais avant tout, je vais vous expliquer d'où sort les 80$. Déjà, je vous informe que moi, actuellement, je suis au grade de saphir. Quand je suis passé saphir, l'entreprise m'a donné une prime de 400$ qui sera payée chaque fin de mois 100$. Donc, je viens ici, je clique sur Rank Royalty. Quand je clique sur Rank Royalty, mesdames et demoiselles et messieurs, regardez par vous-même là où je suis arrivé. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. Là, vous voyez que c'est vert, marqué 4 janvier. Donc, dans les 400$, on m'a donné les 100$. Mais pourquoi je me suis retrouvé avec 80$ dans mon back-office? Mais c'est juste parce que l'entreprise, quand tu gagnes chaque commission, l'entreprise te donne 80% de commission et l'entreprise récupère le 20% de commission et met ça dans un portefeuille de réserve qui sera libéré après les 100 semaines du staking. Le portefeuille de réserve en question, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, cet argent-là rentre dans le portefeuille de réserve ici. Ça vient là où on voyait que buyback wallet là. Donc mon frère, c'est juste pour te faire comprendre une chose, que ce projet là c'est un projet très magnifique si seulement si tu comprends strict. Donc vous voyez par exemple là, le dernier mois qui me reste pour recevoir les 100$ de 400$ ici, c'est le 4 février. Dans le 4 février, je serai encore payé ici à 100$, tout comme le 20 janvier de ce mois là. Et je serai payé encore à 50$ ici. Donc le prochain grade, là où je suis en train de lutter, pour que je puisse continuer toujours à gagner cette prime et ensuite être salarié, c'est Saphir 25. Alors pour être Saphir 25, il te faut avoir 25 000 dollars de chiffre d'affaires. Dès que tu réalises 25 000 dollars de chiffre d'affaires dans ton équipe, pour nous qui aimons l'affiliation, tu reçois une prime de 1 000 dollars. Et ensuite, chaque fin du mois, dans cette entreprise-là, tu deviens salarié à vie. Voilà. Par exemple, dans mon cas ici, vous voyez, j'ai 22 900 dollars de chiffre d'affaires. Donc, il me manque 2 100 dollars de chiffre d'affaires pour faire 25 000 dollars de chiffre d'affaires. Dès que je vais réaliser 25 000 dollars de chiffre d'affaires grâce aux ventes de Masternode, automatiquement, je reçois 1 000 dollars. Et les 1 000 dollars seront payés chaque fin de mois pendant 4 mois. Et non seulement ça, je serai salarié dans cette entreprise-là. C'est-à-dire que l'entreprise doit enlever 10% de son chiffre d'affaires qu'elle va me payer chaque fin de mois. Okay? Donc c'est de ça qu'il s'agit. À chaque fois que l'entreprise réalisera un chiffre d'affaires mensuel, je serai payé. Pourquoi? Parce que ce jour-là, je serai 25 heures, Saphir 25. Donc, regarde, toi qui n'aimes pas te lancer dans ce truc, voilà un bon projet où tu peux te concentrer en 2023 et te faire de l'argent. Donc, sans plus tarder, allons faire un retrait. Pour faire un retrait, c'est très simple. Je vais d'abord aller ici sur Trust Wallet. Comment on s'appelle ça? On va chercher mon adresse de réception. Parce que ici, sur Trust Wallet, sur ce truc, le retrait se fait uniquement en USDT BP20. Donc, toi et moi, on va aller chercher USDT BP20. Voilà, USDT BP20. USDT BP20, je viens, je clique sur recevoir, je prends donc l'adresse et je reviens ici sur Strict. Je clique là où on a mis trois traits ici. Ok, je clique sur Payout. Je clique sur Paste. Donc, ça veut dire que je vais faire une déclaration. Je viens là où on a mis 80$. Je clique sur ça. Je clique sur Next. Ensuite, je viens ici. On me demande de mettre l'argent que je vais retirer. Je vais retirer 80$. Et puis je mets l'adresse ici. Après, je clique sur Next. Une fois que j'ai cliqué sur Next, je clique sur Send. Alors, en cliquant sur Send, ça veut dire que je viens d'envoyer un code de validation directement dans mon adresse mail. Je viens dans mon adresse mail ici, je clique là. Ok. Je clique ici. Donc, je vais patienter. Voilà, donc le code est arrivé tranquillement, tranquille. Voilà, donc ce que je vais faire, je copie le code ici. Je copie le code là, je viens directement dans mon back office, je mets le code. Et puis je vais aller récupérer un autre code, deuxième code qu'on appelle les QFA, donc le Google Authentificator. Parce que comme vous le savez, ici, pour faire le retrait, il faut actualiser ton Google Authentificator. C'est pour éviter que les gens puissent voler ton argent. Donc, quand vous êtes en compte de constater, voilà, le code Google Authentificator est là. Je récupère
et je viens directement avec ça ici. Je dépose là et je clique sur confirmer. Une fois que j'ai cliqué sur confirmer, comme vous le voyez déjà, aujourd'hui nous sommes le 4 janvier, le 4 janvier 2023. Je viens de faire un retrait de 80 dollars. Donc je serai payé à 70 dollars. Pourquoi? Parce que chaque retrait que nous faisons, l'entreprise enlève 10 dollars à l'intérieur. Donc le 31 décembre, j'avais fait aussi un retrait de 125 dollars. Voilà, ça a été payé 115 dollars parce que dans les 125 dollars, l'entreprise avait enlevé 10 dollars. Donc tout retrait payé est marqué par compléter, compléter, compléter. Le retrait qui n'est pas encore payé est marqué par in process. Par exemple, le retrait du 4 janvier 2023, c'est marqué par in process. Donc les gars, voilà un business dans lequel vous pouvez vous asseoir tranquillement, tranquille. C'est ce projet, ce truc-là. J'ai laissé le lien en dessous de la vidéo pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce business parce que c'est une crypto-monnaie, c'est un wallet décentralisé, un bon business décentralisé. Voilà, un business où tu peux t'asseoir tranquillement. Surtout, n'oubliez pas d'aller développer ce business-là grâce aux réseaux sociaux, payer vos publicités Facebook, soyez confrontés là-dedans. Débourser un peu de l'argent dans ce business-là parce que le grand problème, ce n'est pas seulement gagner, mais le problème aussi, c'est aussi savoir dépenser. Donc, au début, on dépense d'abord de l'argent pour développer son business et puis après, tu commenceras maintenant à récolter. Voilà, le leader dev de la République du Congo, la suite au prochain numéro. On est ensemble. Ciao, ciao, au revoir. Et oui.